Machiavellian is Illuminati all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Bonjour, depuis la période un peu plus en plus, la première question est traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du groupe? Est-ce qu'il y a des joueurs français pour demain? Oui, mais vous avez vu le groupe, vous avez vu que Drax, Julien Draxler, Thilo Kehrer et Anne Herrera Monk, et tous les autres sont disponibles. Bonjour coach, qu'est-ce que vous avez travaillé à l'entraînement cette semaine pour rebondir contre Toulouse demain? Oh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a deux situations, à mon avis. Une situation, c'est peut-être notre dernière semaine où c'est possible de donner des volumes et d'intensité une semaine comme une semaine à préparation, parce que après c'est une semaine très très courte, après c'est la trêve, après on joue tous les trois jours. Pour ça, c'était important pour nous de donner volume et intensité, on a fait ça. Et à l'autre côté, c'était le défi d'améliorer des choses, améliorer notre rythme, et notre agressivité, intensité entre les matchs, dans les positions de notre match, parce que c'était pas notre meilleur match à Rennes et il y a beaucoup de choses d'améliorer. C'est normal pendant une phase comme ça. Mais ce sont les deux choses pour cette semaine. C'était beaucoup, mais avec un bon état d'esprit, avec beaucoup de qualité. Et j'espère et je pense que nous sommes prêts pour recommencer et gagner demain. Bonjour Thomas, José Barroso de l'équipe. On a l'impression que depuis la fin de saison dernière, qui était un petit peu compliquée pour le PSG, vos adversaires sont plus audacieux. On croit plus en leur chance de vous faire mal, de faire quelque chose à Paris. Mmh. Est-ce que vous pensez que Paris doit faire peur à nouveau? Avant, on pensait qu'on ne pouvait pas battre le PSG. Presque. Oui, je pense qu'on a beaucoup de qualité, toujours. Mais la situation est un peu différente. Grâce à nous, parce qu'on a laissé encore à la fin de la dernière saison... c'est peut-être un peu d'impression pour tous les autres qu'il y a des possibilités. Je pense que ça, c'est le meilleur, le plus grand chose, c'est la finale de coupe. Parce qu'on a gagné 2-0 et après on a perdu. Et après ça, oui, tout le monde pense, mais c'est normal que dans une compétition, que la Ligue 1, que tout le monde cherche des solutions contre les champions, et nous sommes les champions, et pour ça, on doit retrouver des solutions, mais on doit retrouver notre spirit. Quand on joue, c'est jamais facile, si on regarde seulement un match à Rennes, c'est jamais facile de jouer un premier match par Parc des Princes à Rennes, contre Rennes. C'est le premier match à la maison, c'est 9h, c'est contre PSG, c'est toujours difficile. Et voilà, ça peut arriver, mais on a beaucoup de choses, comme j'ai dit, on a beaucoup de choses d'améliorer et on doit retrouver notre spirit, notre rythme et notre sentiment pour le match. Mais j'ai confiance à l'équipe. Tout le monde sont maintenant pendant l'entraînement et les groupes sud-américains ils regagnent de capacité et ça c'est super bien pour nous et après nous sommes compétitifs, je suis sûr. Bonjour Thomas, Benjamin Corrèze, goal.com. Sur les deux premiers matchs officiels en championnat, les latéraux ont montré des difficultés à apporter offensivement, notamment à occuper tout le couloir. Comment vous pouvez améliorer les choses et est-ce que c'est vraiment une question de schéma ou de physique, comme vous l'avez dit au début de la conférence de presse? Peut-être tous les jours. C'est normal qu'on cherche des choses pour aider des joueurs. C'est jamais, jamais, dans le foot, c'est jamais une raison
est seulement une raison pour améliorer et pour regagner la confiance. Et il y a beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de choses différentes. Si on a l'impression qu'une autre structure, un autre schéma peut donner nous une aide, oui, peut aider les joueurs. On peut essayer, c'est possible, mais plus que la structure et la mentalité et comment on vit dans la schéma et dans la structure, c'est toujours comme ça. Et pour ça, c'est nécessaire qu'on a la capacité, on s'en sent confiant. Et ça, c'est mieux maintenant parce que, oui, tout le monde est pendant l'entraînement et ça aide beaucoup. Bonjour Thomas, David Serret du Parisien. Vous avez dit tout le monde est disponible à part Kerrer, Draxler et Herrera. Ça veut dire que Neymar peut être demain dans le groupe pour Toulouse? Ça, c'est leur première question. Ça dépend. Première chose, je peux dire est que Ney est plus et plus fit. Il a gagné beaucoup de capacités. Il a fait une bonne semaine avec toute l'équipe. Une semaine, comme je dis, avec beaucoup de volume, avec beaucoup d'intensité. Il a fait tous les entraînements avec un bon état d'esprit, avec beaucoup de qualité. Mais à l'autre côté, la situation entre lui et le club est toujours la même. Et la position du club est claire. Si la situation n'est pas claire, il ne peut pas jouer. Et si les choses sont décidées, si la situation est claire demain, il peut jouer. Sinon, non. La deuxième question, Thomas, c'est est-ce que vous trouvez qu'en l'état actuel, votre effectif est équilibré derrière, de défense, milieu, en attaque? Est-ce que vous trouvez que c'est un effectif? Est-ce qu'il vous va? Est-ce que vous le trouvez bien équilibré, bien homogène? Ou est-ce que vous trouvez qu'il y a des manques, qu'il y a des... Oui, c'est le défi d'équilibrer cette équipe. C'est toujours le défi pour moi de trouver des solutions pour ces joueurs qui sont là et pas penser tout le monde toujours que où on peut faire quelque chose. La situation est la situation et nous avons des joueurs avec beaucoup de qualité et j'ai confiance en mes joueurs et c'est le défi d'aider et pousser les joueurs et trouver une équipe qui est équilibrée sur le terrain et on peut améliorer. Je pense que vous avez raison. Bonjour Thomas, Loïc Tanzier, MC Sport. Est-ce que c'est perturbant pour vous et pour votre équipe que l'attention soit totalement focalisée sur Neymar, les supporters, les journalistes? On ne parle que de lui au Parc des Princes. Les supporters envoient des messages pour Neymar qui n'est même pas sur le terrain. Est-ce que ça peut être perturbant pour votre équipe? Oui et non. Oui, parce que c'est comme vous avez dit, oui, ça ce n'aide pas, oui. Et non, parce que je pense que tout le monde sait que c'est dans le monde aujourd'hui, c'est comme ça que un joueur comme Ney est toujours intéressant s'il est là ou il n'est pas là. C'est comme ça et je pense non parce que tout le monde est adapté et tout le monde est habitué de cette situation comme ça. C'est la même chose que quand il est blessé pendant la dernière saison. C'est aussi toujours chaque conférence de presse après chaque match, avant chaque match. C'est normal avec des grands joueurs et pour ça je pense que tout le monde est adapté, mais c'est pas la meilleure situation pour un club ou pour une équipe, c'est clair. Bonjour Thomas, Raphaël, des Globos de Brésil. Mm-hmm. Le coach de la sélection du Brésil a dit qu'il a parlé avec Neymar et que Neymar est heureux, mais attend pour le futur. Et en même temps que Neymar veut jouer, il a dit qu'il veut jouer demain ou peut-être le prochain match contre Metz. S'il joue?
Ah oui, il peut jouer si la situation entre les clubs et lui est claire, il peut jouer demain. Il est prêt pour jouer, il a fait beaucoup d'entraînement maintenant, il est prêt pour jouer, mais comme je dis. Bonjour, José Álvarez pour Jugones, la Sexta. Tu as dit que la situation n'est pas claire aujourd'hui. Si demain Neymar joue, signifie qu'il va rester ici? Si ou non, ou je ne sais pas. Je peux dire seulement les mêmes choses. Peut-être que vous devez parler avec Leonardo, avec le club, de cette chose-là. J'ai fait entraînement avec tout le monde qui est là, et il était là, et il est plus et plus fit. Et c'était possible qu'il joue demain si la situation est claire. Aujourd'hui, c'est pas clair. Peut-être demain c'est clair, il peut jouer. Thomas, Nicolas Payard, Info Sport Plus, toujours. Est-ce qu'on a retrouvé peut-être le même scénario qu'en fin de saison dernière à Rennes, même si c'est le premier match à l'extérieur et que vous avez dit que c'était difficile de jouer à l'extérieur à 21h, mais on a peut-être retrouvé les mêmes difficultés que le PSG a rencontrées en fin de saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah oui, comme je dis, mais en même temps, on doit aussi accepter que Rennes joue avec beaucoup de qualité, que c'est une équipe très forte, très serrée, très disciplinée, et ils défendent avec beaucoup de qualité, beaucoup de discipline, et avec beaucoup d'émotion, et avec beaucoup d'intensité. Et c'est jamais facile de jouer contre une équipe comme ça. Et quand on arrive avec une équipe qui est PSG, et quand PSG arrive dans un match, le premier match à la maison et à 9h, oui, c'est très très difficile. Mais je dis les mêmes choses. Et tout le monde pense que c'est facile pour nous de gagner. C'est pas comme ça. Maintenant, on a what is proof? On a, oui, tout, malheureusement, c'est prouvé. Et voilà, en défaite, c'est aussi toujours une possibilité d'améliorer, une possibilité de retrouver le spirit et les mentalités. C'est quelquefois, c'est mieux de perdre méritier qu'on gagne et tout le monde pense, hein, c'était bien ou pas bien. On a perdu. Et on peut dire que c'était méritier, il y a beaucoup de choses à améliorer, oui. Et quelquefois, c'est un bon moment pour recommencer. Et j'espère que c'est comme ça. Bonjour, Grandes Gazette de Sport. Est-ce que vous avez compris pourquoi Neymar veut partir? Première question. Et est-ce que vous allez utiliser différemment Verratti cette année sur le terrain? Qu'est-ce que je pense de Marco? Alors, comment vous pensez de l'utiliser sur le terrain par rapport à l'année dernière, si c'est différent, est-ce que vous lui demandez de faire autre chose par rapport à ce qu'il fait? Lui? Si je veux ça, qu'il fait autre chose, oui, je veux dire qu'il peut marquer plus, mais je pense que ça ne va pas venir. Hein. Parce qu'il essaie chaque jour pendant l'entraînement et il n'y a pas beaucoup de buts. Hein. Et pour ça, je pense qu'on doit concentrer sur des passes et récupération. Ça suffit, mais je suis très content avec lui parce qu'il est un gars totalement fiable et avec un grand cœur pense toujours pour l'équipe, pense toujours pour les autres. Et c'est très très bien qu'il est avec nous et c'est pas seulement bien, c'est super important. Et la première question, je peux seulement dire, c'est pas la question si chaque peut comprendre, compris ça ou pas compris. C'est pas nécessaire de comprendre tous. On doit seulement adapter à chaque situation. Et c'est entre moi et mes joueurs, c'est une atmosphère de confiance. Et en même temps, je vais pousser mes joueurs de trouver leur meilleur niveau, et ça, c'est ça. Merci. Merci, à demain.
Allez-y, go. Alors voilà, ça y est, la conférence de presse à la fois.